plus de soleil dans ma vie. Il fait toujours tout gris. Oh, ça arrive, en plus, c'est chouette. Bon, allez, c'est parti, mon kiki. Oh, j'en ai marre de cette vieille expression. Oh. Salut, toi, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, dis donc, je suis très enthousiaste aujourd'hui. Ouais. Alors, j'espère que tu vas bien. Et puis, bah voilà. Hein. Donc, aujourd'hui, on est mardi, comme d'habitude. Que je peux faire mes vidéos que le mardi, mais toi tu verras cette vidéo là vendredi. Et la maîtresse de ma fille n'est pas là, donc qui c'est qui est avec moi? Attends, elle arrive. Coucou. On te voit là? Ouais. Bah voilà, juste non, tu peux parler, casse-toi. Mon bébé. Oh. Et pas de bruit, hein, t'es gentil, hein. Ouais, c'est ça. Je vais le redire encore une fois, si jamais tu n'es pas au courant, j'ai ouvert une troisième chaîne YouTube qui est dédiée à mes animaux, qui font tout le temps tout plein de bêtises. Donc c'est des vidéos qui sont censées être drôles, ça fait rire certains, puis ça fait rire moins d'autres. C'est pas français ça, mais t'as compris. Voilà. Mais arrête de parler en même temps de moi, toi. Oh, il est chiant, c'est pas possible. Et puis bah voilà, c'est tout. Non, c'était pas tout. Il y avait un autre truc que je devais dire. C'était quoi? Et bah, je sais plus. Ah, ça m'énerve, je perds la boule, ça me saoule. Et j'ai froid là. Mais j'ai la chair de poule. Tu as dû mettre un pull. Oh, si, je me souviens ce que je voulais dire. C'est bon. La lumière s'est allumée. J'en ai parlé il y a quelques temps, ça, il y a 2 mois, je crois maintenant, que j'aimerais réaliser. Mais tais-toi, toi. Il m'énerve, j'en ai marre. J'aimerais réaliser une collab avec certains d'entre vous, donc il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient partants, mais finalement je n'ai pas eu de suite. Alors c'est un petit peu un couillon quand même, hein, je voulais te dire. Donc du coup, si tu veux faire une collab avec moi, si tu veux plus de détails, même si je suis pas très douée pour m'exprimer, bah, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un message privé, n'importe où, tu as tous les réseaux sociaux en barre d'infos, et puis on parlera de tout ça plus en détail. Voilà, mais moi j'aimerais bien faire une petite collab quand même, hein. Bah, je voulais le faire avant la fin de l'année, mais je crois que maintenant ça va être trop tard, quoi. Donc ça sera pour l'année prochaine. Tant pis, c'est ballot, hein. C'était juste ça. Et puis bah voilà, j'ai tout dit, j'ai fait tout le tour. Donc ouais, je vais te montrer mes créations que j'ai réalisées au mois de... Oui, novembre. Parce qu'on est en décembre. Donc ouais, les créations que j'ai réalisées au mois de novembre. Voilà. Donc tous les bijoux que tu vas voir dans cette vidéo sont déjà disponibles sur ma boutique. Le lien est en barre d'infos. Et en plus de ça, ils sont tous poncés à la main. Bah ouais. Et ça fait mal aux bébines. Bah ouais. On s'en fout complètement. Mais je le dis parce que je... Ça me saoule. J'en ai marre de poncer à la main, c'est chiant. C'est dur, c'est long, c'est... Donc il faut que je le dise. Voilà. J'ai pas fait du travail pour rien. C'est ça. Bon, vas-y, laisse tomber. Donc du coup, on passe tout de suite aux créations. On y va. On perd pas de temps. On y va. Maintenant. Allez, go. Avant de commencer, j'ai réalisé cette petite barrette rien que pour moi. C'est des plumes de pan que j'ai montées de façon à obtenir un espèce de petit papillon. Tu le vois bien ou pas, là? Avec l'éclairage pourri, c'est assez compliqué. Voilà. J'avais besoin d'une petite barrette. Donc je me suis fabriqué ça. En 2-4 tissus, hein. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai mis un ruban en cuir au milieu. Mais la colle a dégouliné de partout, donc ça fait crado. Et je sais pas comment rattraper le coup. Mais bon, vu que c'est pour moi, je m'en fous. Voilà, on voit rien. Voilà, voilà, voilà. Me revoici avec mes voilà. Me revoici mon petit plateau avec tous mes bijoux. On s'en fout. Alors on commence tout de suite avec le premier bijou qui est du simple montage, il n'y a rien de compliqué. Avec mes fameuses perles fleurs lucides que j'aime à la folie, j'adore les perles fleurs lucides. Et du coup là je les ai montées avec des... comment ça s'appelle, des calottes, coupelles, je sais pas comment t'appelles ça exactement, bref, en version gunmetal. Ça fait un peu style gothique finalement parce que j'ai choisi des fleurs noires. Je les adore, je trouve ça trop joli. Elles sont grandes, elles sont pendantes, moi j'aime bien. D'autres petites paires de boucles d'oreilles, donc là elles sont en double, il y en a deux, c'est les deux mêmes, il y en a une qui est un petit peu plus grande que l'autre. Et il y en a une c'est des perles bleues et l'autre c'est des perles vertes, mais c'est les mêmes, voilà. Et c'est des généralisés, on va dire, entre guillemets, des espèces de petits pompons, voilà.
Je me recule, c'est l'avantage d'être debout. Donc ensuite on va passer au petit collier et le tout premier est tout en argenté. Tout en argenté. Suivant, et bien il est tout en doré, tout en doré, presque tout, et un petit peu de blanc. J'offre une petite paire de boucles d'oreilles assorties. Ensuite, il y en a deux pour le prix d'un, deux petits bijoux exactement pareils. C'est juste les couleurs qui changent. Et c'est des bijoux très peps, très colorés. Voilà. Ensuite, deux autres bijoux qui sont pareils. C'est exactement la même technique, c'est juste la forme qui change. C'est même pas une technique, j'ai fait un petit peu à l'arrache, j'ai fait ce que je voulais. Voilà. C'est des bijoux tout en bleu parce que j'adore le bleu. J'adore le bleu, c'est comme ça. Là, c'est du bleu très foncé. J'adore le bleu très foncé aussi. Bref, voilà, deux petits bijoux comme ça. On reste dans les tons bleus et on enchaîne avec encore deux bijoux pareils, exactement pareil, c'est juste la forme qui change. Voilà. Et en cadeau, eh bien j'ai deux paires de boucles d'oreilles qui sont assorties. Il y a une paire qui va avec un collier et l'autre avec l'autre collier. Enfin bref, voilà, on s'en fiche. Deux petits colliers et deux paires de boucles d'oreilles offertes en cadeau. Ensuite, on va enchaîner avec des colliers qui n'ont rien à voir avec la saison de l'hiver ou de l'automne. Rien du tout. Il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent l'automne. Moi, je déteste l'automne. J'avoue que les couleurs de l'automne sont très jolies. Ok, je suis d'accord. Mais moi, je trouve ça trop triste. Je trouve ça super triste parce que c'est l'automne, c'est la nature qui se meurt. Tu vois toutes les feuilles tomber les unes après les autres. Moi, je trouve ça super triste. Hein. Du coup, eh ben, j'avais besoin de ramener un peu de... comme tu veux, je sais pas comment dire, un peu de floraison dans ma vie. Donc du coup j'ai fait des bijoux sur on va dire un thème printanier, même si on arrive au mois d'hiver. En plus au mois d'hiver, t'as compris ce que je voulais dire. Voilà, donc je voulais les fleurs, je voulais de la nature, je voulais de la verdure. Donc j'ai fait des petits bijoux sur ce thème là voilà. Parce que là, ce temps-là, et moi, je trouve ça super triste. Moi, ça me fout le cafard. Personnellement, ça me fout le cafard de voir ce temps-là. Voilà. Donc, j'ai réalisé un petit collier sur le web printanier. Voilà. Il y a un effet bois dans le fond et plein de petites fleurs de toutes les couleurs au-dessus. Et avec un papillon en plein milieu. Eh oui, bien évidemment. Cadeau, et bien
donc j'offre la petite paire de boucles d'oreilles assorties. Et vu qu'il me restait un peu de ce mélange de pâtes, et bien j'en ai réalisé une autre petite paire de boucles d'oreilles que j'offrirai en cadeau pour l'achat d'un autre bijou, n'importe lequel, on s'en fiche. Et le dernier dans cette catégorie là, mon petit chouchou, franchement je l'adore celui-là. Ça m'a pris pas mal de temps à faire l'air de rien. Et je l'adore. J'ai réalisé un petit attrape-rêve avec plein de roses rouges tout autour. Tu fais le tissage à la main bien évidemment, les roses à la main et le montage à la main, bien sûr, bah oui. Sinon bah c'est pas drôle. Mademoiselle, bah oui mes petites mademoiselles, et bah là j'en ai fait beaucoup. D'habitude tu sais, je l'ai dit dans une vidéo, je l'ai fait 5 par 5 en moyenne. Là je crois qu'il y en a 8. Il me semble que j'en ai fait 8. Ouais. Enfin même 10, mais il y en a 2 qui sont on met de côté. Donc, du voilà. Coup, je le dis à chaque fois, mais là tous les petits bijoux que je vais vous présenter, ce sont que des simples pendentifs. Et c'est à toi de choisir si tu veux un collier, un rat de cou, un sautoir, un porte-clés, un bijou pour sac à main, un marque-page, enfin n'importe quoi. Tout est possible et inimaginable. Voilà. Là ils sont. On va dire. J'arrive pas à dire. En l'état brut. On va dire ça comme ça. Ouais. Et après, bah, le montage, c'est à toi de choisir ce que tu veux. Et il n'y aura aucun frais supplémentaire. Non. Rien du tout. Et puis, bah voilà. Après, c'est sous mon stock disponible aussi. Hein. J'ai pas un stock que je fais avec les moyens du bord. Hein. Voilà. Donc la première, eh bien, tu l'as vu dans ma vidéo tuto, entre guillemets. La vidéo stop motion. Il y en a, ça avait pas l'air de plaire à beaucoup de monde parce que j'ai pas eu beaucoup de vues dessus. Mais c'est pas grave. Du coup, il va se réaliser cette petite fée clochette. Bah oui, fée clochette, c'est ma chouchoute, c'est ma préférée. Dans tous les Disney, c'est elle, mais. C'est mon amoureuse. Donc, du coup, voilà, j'ai réalisé cette petite fée là. Donc, dans la vidéo stop motion, elle est toute seule, tout normal. Et je l'ai juste collée sur une estampe. J'en ai réalisé une version pop en fait. J'ai essayé de m'inspirer de la pop que mon chéri m'a offerte, sauf que bah, ça fait pas du tout pop. Je l'aime pas du tout, mais alors vraiment, mais vraiment pas du tout. Je trouve ça trop pas joli. Je l'aime pas du tout. Et c'est pour ça que du coup, je vais l'offrir à ma fille et elle va être très contente. C'est pour ça. Ah, viens, n'aie pas peur mon bébé. C'est pour toi? Ouais. T'es contente? Oui. Moi je l'aime pas, alors je fais Adèle. Tous les bijoux que j'aime pas, je les donne à mes filles. Elles sont contentes, alors tant mieux pour moi. Tant mieux pour elles. Voilà. Alors vu que je n'aime pas rester sur un échec, j'ai essayé d'en faire une deuxième, beaucoup plus petite. Mais c'est pareil, je suis pas spécialement convaincue. Donc c'est inspiration pop, mais ça n'a rien à voir avec les figurines pop. Mais rien à voir. On va dire que j'ai mis ma petite touche personnelle, mais pas. Je suis pas convaincue du tout. Hein. Franchement, je l'aime pas. Donc j'essaierai peut-être d'en faire une troisième, parce que comme on dit, j'ai le 203. Donc on verra bien. Mais là, voici la deuxième que j'ai essayé de faire pop, mais. Non. C'est pas encore ça. C'est pas pop. Bref, voilà. Donc ensuite, j'ai une petite fée façon attrape-rêve. Enfin, oui et non. Il y a un attrape-rêve, mais c'est surtout sur la nature, la verdure, les fleurs, les... Tout,
tout cet univers là quoi. Et avec une petite fée qui est intégrée dedans. Voilà. Sinon ça faisait tout nu. Ça manquait de quelque chose. Donc il fallait que je rajoute quelque chose. Et j'ai dit, bah, y a rien de mieux qu'une petite fée, bien évidemment. Voilà. Tout en bleu. Bah, le bleu, de toute façon, j'en fais régulièrement. Mais bon, bref, voilà. Celle-ci, elle est de profil. Avec beaucoup de bleu. Elle n'est pas tout en bleu, mais il y a beaucoup de bleu quand même. Et cette fois-ci, elle est de dos, puisqu'à chaque fois, on les fait de face ou de profil. Et j'ai voulu changer, et puis bah, cette fois-ci, on la voit de dos. Elle nous tourne le dos, elle est un petit peu mal polie quand même, hein. Oh la vilaine. Et bah, comme je l'ai dit, je voulais faire des bijoux sur le thème de la nature, donc j'ai rajouté plein de petites fleurs. Et on a dans ses cheveux et sur son cul. Mademoiselle qu'on voit circuler quand même pas mal sur les réseaux sociaux et j'ai voulu essayer de les faire à ma façon aussi. Voilà, je crois que celle qui a lancé ça au départ c'était la petite déco, une italienne, si je dis pas de conneries, j'ai peur de dire des bêtises, et bah, j'ai voulu essayer aussi. Donc du coup j'en ai réalisé deux. Donc c'est des petites mademoiselles avec des robes en rose, en fleurs, des fleurs roses, voilà. Donc j'en ai une rouge et une mauve. J'ai fini, j'ai fait tout le tour, j'ai rien oublié, je ne crois pas. Non, je pense que j'ai fait tout le tour. Donc c'est une... Ah, purée, j'en ai marre d'être maladroite, moi. Elle est toute petite, minuscule, riquiqui, toute petite, petite. Sur une perle que j'avais réalisée en résine la dernière fois, je l'avais mis de côté, cette petite perle-là. Je l'ai coupée en deux, enfin je l'ai surtout limée à fond les ballons, parce qu'elle était un petit peu abîmée en fait la perle, et je pouvais pas m'en servir en tant que perle. Donc du coup je l'ai limée pour obtenir que la moitié de la perle, et du coup j'ai mis une petite fée dessus qui est assise sur la perle. Voilà, toute petite riquiqui minuscule, elle est vraiment toute petite. Voilà, et en dessous bah, j'ai mis des petites perles qui pendouillent. Voilà voilà. Je te dirai pas les quelques c'est comme ça t'auras la surprise entre guillemets, parce que tu les as déjà vu, tu sais pas c'est légal mais tu les as déjà vu, enfin ouais, on s'en fiche, voilà. Donc si jamais tu veux d'autres tutos, bah n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux le faire ça sera avec le plus grand des plaisirs. Faut juste être un petit peu patient, c'est tout, mais ça arrivera parce que je n'ai qu'une parole. Et voilà, et puis, bah, c'est tout, voilà, j'ai fini. Donc j'espère que cette petite, toute petite riquiqui vidéo t'aura plu. J'essaie d'aller le plus vite possible, mais à chaque fois, bah, c'est à trop de blabla, tu le blabla, hein. C'est comme ça, hein. Mais ouais, bref, du coup, bah, j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Même si, ça, pour ça aussi, je suis un petit peu longue à la détente. Mais je finis toujours par le faire. Si tu prends du temps pour venir me parler, la moindre des choses, c'est que je te réponds. Non. Moi, je vois les choses comme ça, hein.
Excusez-moi, j'ai été bien élevée. Mais bien sûr. Donc du coup, bref, c'est l'heure de se quitter. Je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.